Ok les potes, donc pour le petit déj, on a 4 œufs bio avec ça 2 tranches de chambon qui sont sans nitrate et je vais rajouter du fromage du producteur qui est juste à côté de chez nous. Je vais m'ajouter une petite tranche de ce fromage là qui n'est pas pasteurisé. Voilà. Et on a le petit déj de prêt en canne pour attaquer une bonne journée. What's up les gars, on est parti du coup pour cet entraînement d'épaule. Donc je vais vous montrer comment s'entraîner assez simplement avec très peu de matériel à la maison. Du coup on va commencer par un exercice en force, ensuite on fera un exercice pour les latéraux, on sera un petit peu moins lourd et ça dépendra vraiment de votre matos, mais je vais vous montrer comment l'optimiser et ensuite on partira sur l'arrêt d'épaule parce que c'est très important. Et voilà, on va faire juste 3 exercices assez simplement, je vous montrerai ce que je fais sur le reste de la séance. On est parti. On est parti sur l'échauffement parce que le premier exercice, on va essayer de le faire en lourd. Donc du coup, avant d'attaquer le lourd, même si c'est au poids du corps, vous allez le voir, on va quand même s'échauffer bien parce que pour passer sur du lourd, il faut bien s'échauffer avant. Ça permet d'augmenter les capacités et ça permet juste de ne pas se blesser aussi. Ok les potes, maintenant qu'on est bien échauffé, on va partir sur l'exercice. Ça va être des handstand push-ups. Donc je vous conseille très fortement d'utiliser des poignées pour le faire. Donc des comme ça là, des petites parallèles. Ça vous permettra de garder le poignet droit, c'est vachement plus naturel, ça vous baisera pas les tendons et le poignet. Et je vais vous montrer ce qu'on va faire, c'est très simple. Hop. Ok, donc là le but ça va être de s'approcher de 8 répétitions. Donc pour ce faire, ceux qui ont du mal avec cet exercice là, ceux qui ont du mal à en faire une seule, je vous conseille de demander à quelqu'un de vous tenir au niveau du bassin et de vous soulever un petit peu du coup quand vous poussez et de vous relâcher quand vous redescendez. De la même manière, pour ceux qui arrivent à en faire plus de 8, je vous conseille de demander à un partenaire de vous tirer vers le bas, donc au niveau du bassin, de vous tirer vers le bas pour que ça soit plus dur le négatif, donc quand vous redescendez que ça soit plus dur et quand vous remontez que ça soit un petit peu plus dur aussi. Donc il vous tire assez fort quand vous redescendez et un peu moins quand vous remontez. Voilà, donc là ça va être votre exercice de force, ça demande quasiment rien et ça vous permettra de progresser au niveau des épaules, donc avoir des gros boulders. Bitch, I got my own fight, don't need security in the club. All they woofing on the net, nigga, I thought you was a thug. I ain't got nowhere to go, I shot up everywhere they was. Yeah, you know who took this shit from you, come get it back in blood. Bitch, come get it back in blood. We ain't mask up, no Dodger X, niggas know who it was. It's doing shit just like the 80s, want something back, get it in blood. Yeah, you know who took this shit from you, come get it back in blood. If a nigga killer ain't dead, you should wear no RIP shirt. We had 300 shots up in the car before we picked up dirt. Nigga who ain't got shit going, go grab a glizzy, get alert. Shots to G-Post RIP and Reezy in the dirt. Donc les deux derniers exercices ils sont assez simples, des élévations latérales et ensuite on fera des élévations latérales buste penché. De cette manière là on travaille le faisceau latéral et le faisceau postérieur. Donc pour ce faire vous pouvez utiliser des élastiques si vous avez que des élastiques, très simplement. Sinon vous demandez à un partenaire de vous retenir la montée et vous accélérer la descente. Et sinon ceux qui ont des haltères, très simplement, des élévations avec les haltères. On est vraiment dans la chose la plus simple du monde. Trois exercices qui sont essentiels pour travailler les épaules le mieux possible. Kill your man, you keep on talking, better get that shit in blood. Get my shorty name a dub, then they gon' walk inside this club. Hit his little ass with that switch, I bet that switch up his nerve. Fuck the ops inside my city, look bro, put them in the mud. You can't come back to your hood, huh? No. He was dissing on my cousin, now his ass all in that wood, huh? Book his ass, I wish he would come, pussy. V-Roy pop up out that car with that new Glock, I wish he would run. His ass playing, bitch, I'm really icy.
game, bitch, they really done, gang. Bitch, I got my own fight, don't need security in the club. All they woofing on the neck, nigga, I thought you was a thug. I ain't got nowhere to go, I shot up everywhere they would. Yeah, you know who took this shit from you, come get it back in blood. Bitch, come get it back in blood. We ain't mask up, no Dodger X, niggas know who it was. It's doing shit just like the 80s, want them back, get it in blood. Ok, on a notre petite soupe de prête. Et avec ça, on va manger du saumon. Voilà le post-workout. Bon, c'est le bordel au studio. Je suis désolé, je vais remettre celle d'avant, elle était cool. Donc j'ai un retour à faire. J'ai un call cet après-midi avec l'entreprise parce que j'ai un point à leur faire. Un retour sur les vêtements qu'ils m'ont envoyé, les prototypes. Il y a quand même pas mal de soucis que j'avais déjà corrigé dans la première version et ils ont refait les mêmes conneries. Du coup, ils n'ont pas écouté ce que je leur avais dit de faire. Donc ça me saoule un petit peu. Je vais faire des photos, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je vais faire des photos de ce qu'ils m'ont envoyé. Je vais faire une photo du proto, ça sera plus simple comme ça pour documenter plutôt que de le décrire. Je vais faire la photo direct. Hop, je vais faire le dos aussi en photo parce qu'il y a des modifications à faire sur le dos. Ok, donc là je fais la photo, ensuite je l'importe sur mon fichier Illustrator et je leur fais les modifications directement dessus où je leur explique ce que j'aimerais qu'ils fassent, quoi, les changements à apporter. Là pour vous montrer un petit peu ce qui est emmerdé, c'est au niveau des prints. Je leur ai dit que je voulais pas un truc comme ça, la première fois ils me l'avaient déjà envoyé. Donc il y a un flou autour des prints, c'est une première erreur que j'avais fait, un fichier que je leur ai envoyé où il y avait ce truc là. Et du coup je l'ai modifié, j'en ai refait un fichier et je leur ai envoyé et ils ont pris l'ancien fichier pour faire ce prototype là. Donc c'est la deuxième fois qu'ils me font le coup, ça m'énerve. Autre chose c'est qu'ils utilisent un pattern que j'avais créé. C'était censé être un pattern tubulaire donc avec zéro couture. Sauf que ils ont pas compris et du coup ils ont fait un truc où il y a une couture en fait tout le long de l'épaule en haut et sur le côté et au final ça rend super mal quand tu le portes, c'est horrible. Du coup on va arrêter cette idée là de tubulaire et on va repartir sur une coupe classique oversize qui sera bien plus cool. Ça c'est pour ce modèle là, ensuite j'ai tous ces modèles là à modifier. Voilà, j'ai quand même beaucoup de taf. Les potes, comme vous l'avez vu en début de vidéo, je me trouve actuellement à Pau. C'est une ville qui est en dessous de Bordeaux, il n'y a pas grand chose à faire pour vous dire. Et en plus de ça, je suis bloqué pour pouvoir voyager. On attend des visas pour partir au Japon encore, mais tout a refermé, c'est le bordel. Du coup, on en profite ici pour faire ce qu'il y a à faire, à savoir des activités de plein air. Donc, on est parti faire du VTT et on est aussi parti faire du snowboard parce que maintenant, je sais faire du snowboard. Ne connaissent que le crime pour le cash. Jalousie, coup de traître. Le ciel est gris dans le texte. Un appel et puis je pull up avec tous mes mauvais jeans dans la tête. 17 Jalousie, coup de traître. Le ciel est gris dans le texte. Un appel et puis je pull up avec tous mes mauvais jeans dans la tête. 17 dans la veste. Codéine pour le stress. Ah, ça fait la diff. Hein? Ça fait la diff. Ah, d'accord. Non, nous, il faudra vraiment une étiquette DHL. Il faut faire des envois avec DHL. D'accord. Parce que le code barre correspondra en fait à ce que vous envoyez. Et c'est comme ça qu'on scanne et qu'on retrouve. D'accord. Code. Ok, ça marche. Ok, donc là, on était en call pour le nouveau projet. Donc, j'ai contacté DHL pour les envois, les expéditions, chiffrer un petit peu tout, les coûts qu'on aura à générer. Parce que, en fait, les envois qu'on doit faire doivent être tenus avec une température, doivent être maintenus à une température assez basse. Donc, il y a plusieurs solutions qui s'offrent. Soit on fait appel à un transporteur qui fait du frais, donc avec des camions réfrigérés. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a un nouveau système qui vient d'être lancé par Chronopost, mais il ne me recontacte pas. Et il y a une deuxième solution, c'est de mettre des packagings adaptés, ou encore une troisième solution, c'est de faire la livraison en express, vraiment rapide pour que la variation de température soit la,
la moins grande possible. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir avec DHL, des envois en moins de 24 heures. Maintenant que j'ai les tarifs, je vais réfléchir à tout ça. Voilà les potes, on termine cette vidéo ici et on se retrouve tous les soirs à 18h30 sur Twitch pour discuter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Bye les gars.